Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça va aller. Ça tourne. C'est bon? Ouais. Bonjour. On va la feuille. On va la feuille? Non. Ok, on la refait. Bonjour, je m'appelle Yves Pochard. Non, c'est pas si bien. Allez, bonjour, je m'appelle Yves Pochard, j'ai 48 ans, je suis banquier, et je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'un acte important, le vote. C'est un acte... Le vote est un acte civique important. C'est pourquoi... Bon, mais foutez-moi le texte, là, parce que depuis le temps que je la répète, celle-là, j'arrive pas. Le vote est un acte civique essentiel à notre société. C'est pourquoi je vous invite, citoyens et citoyennes suisses, lors des prochaines votations, à voter. Votez pour moi! Grâce au changement que je vais apporter, notre ville répondra aux attentes de l'ensemble de la population. Je m'occuperai de mobilité, d'écologie, de l'intérêt des jeunes. Mais c'est qui l'a écrit ce texte? Les jeunes. C'était Lucas Lundin dans Where Are the Colors. Et n'oubliez pas ce week-end les votations sur la préservation des espaces verts à Genève. Pour la suite du programme, je vous laisse avec David Dubar.
Ah tiens, le petit jeune du troisième. Mais qu'est-ce qu'il cache dans sa veste? Merde, vite, trouve une solution. Les escaliers, vite, vite, vite. Ouais, y a personne. Ouais, c'est bon. J'ai échappé belle. Oh mince. Vas-y, reste naturel, ça va bien se passer. Regarde les pas, regarde les pas. Mais c'est qui celui-là? Mais il fait quoi? Il est vraiment bizarre ce gars. Il a l'air parano, je capte pas. Yes. Enfin. On y est, mec. BK Mode, the original gold finger on the bass. All over the place. We got the definitive breakthrough. Your ears only. There's a warlord ready to flex the mic or challenges. Le 14 juin 2015, une initiative visant à taxer les restaurations rapides est lancée par Reto Schrödinger. Elle est acceptée avec une voix d'écart. La cote de popularité de Reto Schrödinger croît comme la démographie suisse. Il est aimé de tous et devient une icône populaire. Il gravit les échelons politiques à une vitesse fulgurante. Il devient rapidement représentant de la Confédération. Il fait prospérer la Suisse et ses habitants. On vient de m'apprendre qu'une prise d'otage a lieu à Berne, au sein du Palais fédéral. Plus d'informations avec notre envoyé spécial. En effet, David, derrière moi, dans le Palais fédéral, les 6 conseillers fédéraux sont retenus par Reto Schrödinger et sa milice. Reto Schrödinger s'autoproclame empereur helvétique et dissout tout accord avec l'Union européenne. Les journées dureront 26 heures comme le nombre de cantons. Il est bien sûr interdit de supporter des équipes de football étrangères. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, 14 juin 2015, il fera très beau, c'est une journée parfaite pour aller voter. Et si vous votez oui à cette initiative sur la taxation des restaurations rapides, la Suisse sera donc plus saine. Oui, allô, monsieur Schrödinger? Oui, non, elle n'est pas passée. À une voix près. Paul n'a pas choisi de prendre le bus aujourd'hui. Il n'a pas choisi le menu de la cafétéria. Il n'a pas non plus choisi les talents artistiques de ses amis. Et encore moins son sens de l'humour. D'ailleurs, Paul n'a pas choisi ça, ni ça, ni ça, ni ça, et encore moins ça. Mais lorsque Paul peut choisir, il ne s'en prive pas. Face à l'enveloppe, pense à Paul. Thank you.
Quoi ? Attends. Ah, mais je te rends maintenant. Sérieusement ? Ouais. Ah, enfin ! Ouais, c'était pas si compliqué. Fais-toi entendre. Ta voix compte. Alors, vote. Première fois, je l'attendais avec impatience, j'étais un peu excitée. Assez nerveux, je l'ai prise du bout des doigts avec délicatesse. En préliminaire, je l'ai déchiré, ouais. À ce moment-là, c'est moi qui prenais toutes les décisions. J'avais un peu le trac, je savais pas si ce que je faisais était juste. J'ai écouté mon cœur, quelques coups de langue et je l'ai fourré. Ensuite, je l'ai prise, je l'ai fait glisser dans la fente et ça s'est fait tout seul. L'espace, il faut quand même se le dire, il est assez étroit, donc il faut surtout bien viser et puis éviter de forcer. Je crois qu'on peut le dire, je donnais un peu de moi-même. J'ai vraiment eu l'impression de devenir un homme. Je l'ai fait, j'étais heureuse. J'ai voté. J'ai voté. J'ai voté. J'ai voté. Toi aussi, glisse-la ton enveloppe de vote. Ciné Civique 2016, le futur entre tes mains. Tu as moins de 25 ans, tu as des idées, tu es créatif ? Engage-toi pour la démocratie et participe au concours Ciné Civique. Seul ou avec ta classe, réalise un mini-film ou une affiche qui incite les jeunes à voter. De nombreux prix à gagner, de 1 000 à 3 000 francs. Envoie ton travail avant le 31 juillet 2016, cinécivique.ch. Un jour, dit la légende amérindienne du colibri, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je le sais, » répond le colibri, « mais je fais ma part. »
d'autorisation de séjour pour les requérants d'asile. Pas le temps. Allô? Wes? Ouais, c'est bon, je suis en train de partir là. Ciao. Tu as moins de 25 ans, tu as des idées et tu es créatif, alors engage-toi pour la démocratie et participe au concours Ciné-Civique. Seul ou avec ta classe, réalise un mini-film ou une affiche qui incite les jeunes à voter. De nombreux prix à gagner, de 1000 à 3000 francs. Envoie ton travail avant le 31 juillet 2016, tous les renseignements sur www.cinécivique.ch. Ok, ça marche. Bah écoute, je te rappelle après le boulot. À tout. Et les gars, j'avais 50 000 balles, les gars, 50 000. Taxé à 99, et qui peut bien. On est confirmé. Kusumbi là. Ouais, Kusumbi, ouais. Prochaine initiative pour le renvoi des étrangers, tu vas voir. Tu vas voir. Thank you.
as moins de 25 ans, tu as des idées et tu es créatif, alors engage-toi pour la démocratie et participe au concours Ciné-Civique. Seul ou avec ta classe, réalise un mini-film ou une affiche qui incite les jeunes à voter. De nombreux prix à gagner, de 1000 à 3000 francs. Envoie ton travail avant le 31 juillet 2016, tous les renseignements sur www.ciné-civique.ch.